rassemblés. La chanson vient de commencer. Laissez-nous vous raconter l'aventure d'un gars au bal de l'été. Pied d'Estrade, c'est un trio de musique traditionnelle. On s'appuie essentiellement sur la musique québécoise, l'Irlande, la Bretagne, enfin tout ce qui est francophone, tout ce qui est celtique et folklorique. On va même aller aussi parfois dans le classique, dans les musiques de l'Est aussi. On fait un gros métissage de musique traditionnelle. On reprend principalement des standards québécois et de plus en plus maintenant des compositions. Toute la partie chantée, c'est uniquement en français. Le trio est composé de trois musiciens, vu que c'était un trio. Moi-même, Simon, à la guitare, au tapier, à l'accordéon diatonique, et puis de temps en temps au bouzouki et au chant. Au violon, podorythmie également sur certains morceaux. Et je chante aussi en harmonie avec Simon. Et Jocelyn, contrebasse, chant. Tout ça, en plus avec la podorythmie des pieds de Simon et d'Olivier, et moi j'en rajoute un petit peu avec un stopping bass, une espèce de grosse caisse électrique. Voilà, ce qui donne un boom supplémentaire à notre podorythmie québécoise. Le CD de Pieds d'Estrade s'appelle Laisse-toi aller, c'est le premier album studio qui fait suite à une démo qu'on avait sortie déjà il y a 2 ans. Qui est un peu l'ambiance, ce qui se passe en concert, à la fête, tout ça. Nouvel album, donc avec pas mal de compositions, deux reprises traditionnelles aussi, réadaptées, modernisées. Le CD en lui-même va dans différents styles, c'est-à-dire qu'on reste quand même dans l'univers musique québécoise, mais qui va aussi dans le style cap-breton, on va même aller en Louisiane au niveau des sons. Donc c'est un CD assez original, mais en gardant le même style du groupe. Nous avons aussi, de façon originale, en fait, ajouté des accompagnements sur, entre autres, 2 morceaux. Des accompagnements d'une section cuivre pour enrichir en fait, un petit peu nos harmonies instrumentales et pour donner également une autre dimension à notre musique. Mais comment faire ? Pour la sortie de cet album, on a décidé de faire un spectacle qui est une version, on va dire, de luxe du trio, où on se retrouve sur scène avec un quintet de cuivre, donc pas mal de boucans sur scène, et 2 danseurs de claquettes style irlandaise. Le quintet de cuivre est composé de trompette, trombone, saxophone et tuba, voilà l'originalité. Stéphane Lechin, le trompettiste et arrangeur de Pieds d'Estrade, a voulu cette palette sonore pour se rapprocher le plus possible d'un mini-orchestre. Et à ça aussi, pour tout ce qui est visuel et ce qui se fait souvent dans la musique traditionnelle, surtout en Irlande, on a rajouté 2 danseurs, Hélène et Woody. C'est un spectacle en fait à géométrie variable puisque quelquefois nous jouons avec les danseurs, quelquefois nous jouons seulement avec les cuivres, quelquefois c'est tout le groupe en entier, donc on se retrouve à 10 intervenants en fait sur scène. Ils donnent de la gigue irlandaise à ce spectacle. Te faire swing.